Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne Afrique Top Info, en espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler de football africain, venez avec nous découvrir les poules éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. La page de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun est définitivement tournée. Route vers la CAN en Côte d'Ivoire s'ouvre déjà. Mardi le 19 avril, un tirage au sort a réparti 48 équipes pour 12 groupes. Les deux meilleurs de chaque poule obtiendront leur ticket pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout le continent était concerné par ce tirage au sort, à l'exception de 6 pays éliminés lors du tour éliminatoire. Les îles Maurice, Djibouti, les Seychelles, la Somalie, le Tchad et l'Érythrée. Les équipes étaient réparties dans 4 pots en fonction du classement FIFA établi le 31 mars de manière à ce que les grosses nations du continent ne se rencontrent pas. Ce qui nous a empêché la RD Congo d'être placée dans le groupe du Gabon, le Sénégal de se retrouver en chemin du Bénin et le Mali de retrouver l'étonnante Gambie déjà confrontée au Cameroun. À noter qu'en sa qualité de pays hôte, la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée pour la compétition. Les Comores, la Zambie et le Lesotho se disputeront un ticket dans le groupe H. Les éliminatoires débuteront le 30 mai prochain. Le tirage au sort au complet en dessous. Groupe A confrontera le Nigeria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, Sao Tomé et Principe. Le groupe B inclut le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Togo et l'Eswatini. Le groupe C comprend le Cameroun, le Kenya, la Namibie et le Burundi. Le groupe D comprend l'Égypte, la Guinée, le Malawi et l'Éthiopie. Le groupe E, le Ghana, Madagascar, Angola et la Centrafrique. Le groupe F, Algérie, Ouganda, Niger et la Tanzanie. Le groupe G comprend le Mali, le Congo, la Gambie, le Soudan du Sud. Le groupe H comprend la Côte d'Ivoire, la Zambie, les Comores et le Lesotho. Le groupe I comprend la RD Congo, le Gabon, la Mauritanie et le Soudan. Le groupe J, la Tunisie, la Guinée équatoriale, la Libye et le Botswana. Le groupe K comprend le Maroc, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Libéria. Le groupe L, le Sénégal, Bénin, le Mozambique et le Rwanda. Le sort du Kenya et du Zimbabwe suspendu par la FIFA le 24 février pour interférence politique reste en suspens. Si leur suspension n'a pas été levée 2 semaines avant la première journée des éliminatoires, ces sélections seront considérées comme perdantes et éliminées de la compétition. Les groupes C et K composeraient alors de 3 équipes avec une seule élimination. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu et surtout que vous en avez appris davantage. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour du nouveau contenu. Bye !